D'azur à une colonne sommée d'une couronne d'argent, accostée et supportée par deux lions affrontés d'or, le tout posé sur une terrasse de sinople. Coucou mes loulous, aujourd'hui je vais te parler d'Ajaccio. Cette ville se situe dans le sud-est, dans le département de la Corse. Les habitants sont appelés les Ajacciens et les Ajacciennes. Les archéologues ont retrouvé des traces datant de l'Antiquité à travers les découvertes marines. Lors de cette période prospère, autour du bassin méditerranéen, le besoin d'un port se fait sentir. Ajacium, en romain, se dit un gîte, une étape. Vers la fin du VIe siècle, Grégoire le Grand mentionne le siège d'un diocèse dans la ville, qui était vers les quartiers de Castelvecchio et Santa Lucia. Durant le 8e siècle, la cité disparut presque complètement. Mais on sait que par les écrits, un château et une cathédrale restèrent en place en 1492, puis démolis vers la période de la Révolution française. Voulant affirmer leur domination sur le sud de l'île, les Génois rebâtirent la cité vers la Punta della Leccia. La ville se développe très rapidement et devient le chef-lieu de la province du Delà des Monts, la Corse du sud actuelle, mais Bastia demeure le premier chef-lieu de l'île tout entière. Paul de Termes, sous le commandement du comte de la France, prit Ajaccio lors de la conquête de Corse en 1553. Il y établit son quartier général et son domicile. Puis il fait construire une citadelle avec un fossé taillé, laissant entrer l'eau de la mer. Puis deux fortifications, côté montagne et côté couvent Jean-François, pour défendre la place. Au XIXe siècle, Ajaccio devient une cité très prisée, car elle devient une station hivernale. Vous pourrez voir donc une photo magnifique du Val d'Èze, par exemple. En 1943, la ville se soulève contre l'occupation allemande. Elle devient alors la première ville libérée de France. Il faut savoir que durant cette période sombre, aucun juif n'a été déporté ni exécuté grâce à ses habitants et son administration. Cela permet à la Corse de prétendre au titre de juste parmi les nations, titre très rarement décerné puisqu'en France, la seule commune l'ayant obtenu est Chambon-sur-Lignon en Auvergne. La citadelle fut construite vers le XVIe siècle sous les commandements du maréchal Paul de Termes et son successeur. Elle permettait le contrôle de la baie d'Ajaccio. Les fortifications avec fossés sont inscrites au titre de monuments historiques. En 2015, l'État et Ajaccio signent un accord, le cédant la citadelle du ministère de la Défense à la ville d'Ajaccio. Si vous longez la côte par la plage Saint-François, vous serez sur la route des Sanguinaires. Bordée par de belles plages, criques et villas, vous tomberez alors sur la pointe de la Parata, puis à proximité, les îles Sanguinaires et son phare classé Natura 2000. Le sentier de la Crête, partant du centre de ville, est une randonnée magnifique à faire, car vous pourrez alors faire de la plongée sous-marine et voir la vue sur tout le golfe d'Ajaccio. Vers la fin du XVIe siècle, le conseil de la ville intervient auprès de la République de Gênes et du pape pour faire construire la cathédrale Santa Maria Assunta, où Napoléon Ier fut baptisé. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1906. Pour conclure, la spécialité corse que j'ai choisie est le ratafia. C'est une liqueur de fruits frais ou secs, macérant dans de l'alcool. Il se sert en digestif. Le ratafia est très réputé puisque ce sont des préparations familiales. Dans ses écrits, Napoléon évoque son souvenir familial dans sa maison natale en Corse et les biens leur appartenant. Aujourd'hui devenu musée, l'histoire de la maison est plutôt centrée sur le patrimoine corse que sur la vie de l'empereur. Elle est inscrite aujourd'hui au titre des monuments historiques depuis 1924. Ajaccio est labellisée ville d'art et d'histoire depuis 1985.